Tu peux parler plus fort. Pourquoi ah, vous bah, dites... je croyais que c'était moi quand on n'est pas à cause de ma boule. Mais je n'ai pas d'organes. Mais pourquoi oh, vous lui dites ça, ça. Moi, je l'entends très très bien. Bah, parce que moi, parce que toi, t'as des oreillettes. Mais bah, mets ton casque. On t'entend pas. Non, ah. J'ai pas envie de mettre mon casque. Ah, ça mais me oui. Décoiffe. Oh, bah, oh, bah, oh là, bah, tu parles. Bah, vu comment t'es coiffé. T'as raison. À la limite, ça pourrait vous arranger. Mettez un casque, on verra moins les racines. T'es vraiment gonflé. Ah bah si, c'est vrai. Non, là, balayage magnifique, là. Franchement. T'as un peu de racine, si c'est vrai. Oui, tout, parce que. Je suis tout près, je vois. Mais non, mais arrête, c'est pas une histoire de racine. Quand t'es, tu te fais des mèches, tu te fous pas des. Sinon, ça fait perruque. Non, faut... Elle a un balayage sur le sol. C'est du balayage. Ils t'ont pas balayé derrière. T'as l'air d'avoir une perruque. Oh, mais regarde. Ils sont bien foutus de toi. Hein. Ah, mais oui. Ils sont bien là pour voir derrière, on va rien y faire. Mais c'est toi qui parles de se coiffer. Non, mais tu t'es vu. Oui, bah oui. Mais tourne-toi. Non, mais t'as peut-être une. Tourne-toi. Elle ouais, une... Tourne-toi, tourne-toi. Elle a une couleur. Ça, mais regarde-moi ça, elle a des nœuds. Mais elle, a, ah oui, attends, elle a des nœuds, bah mais c'est naturel. Tandis que vous, c'est bizarre. Effectivement, vous êtes blonde devant et noire derrière. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Mais et là, chauve du bas. Je me demande. D'ailleurs, c'est même pas blonde, c'est jaune. Oui, c'est jaune. Je te respecte. C'est marron derrière et jaune devant. Je te respecte. Tu sais. Elle a une teinture slip. Je te respecte beaucoup, tu sais, Christine, mais... Oh, mais arrêtez. Sortons. Décidons qu'on sort de la culotte. Parce que franchement, là, depuis le début, c'est pas de notre c'est... faute, c'est ses cheveux. Hein. Moi, j'ai les amis qui écoutent quand même. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais est-ce que tu permets que je tire sur tes cheveux pour voir si c'est pas une perruque? Ah non, mais ils font pas des perruques comme ça. Vas-y, tire, tire. Ah bah, ça a l'air très vrai. Ah oui, ah oui, oui, ah bah ça c'est. Non, il n'y a même pas d'extension. Ah, c'est bon, vas-y, recommence. Oh, putain. Ah, j'adore. Ah. Oh putain. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? C'est ta poche. Viens, t'as un truc dans la poche. Elle s'est cognée la tête sur la braguette de. Il a un tube de 2 mètres, mais qu'est-ce que c'est? Ça vous apprendra à le traiter de petite bite. Hein. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est pas bien. Eh ben, il est en train de... Érexer de, ouais. Enfin, d'être en érection. Alléluia. Non, mais franchement, tu t'es cogné sur quoi? Ben, bah, va mais toucher. Vous croyez vraiment que ça intéresse les auditeurs? Oui, oh, bah, oui, savoir. Oh, bah, savoir que Jean-Pierre Coff bande encore, croyez-moi. Ça va rassurer tous les gens qui nous écoutent. C'est une lueur d'espoir pour beaucoup d'hommes. RTL, la radio qui guérit. C'est une prothèse. T'as été à Lourdes. Retourne-y, je te dis. Vous êtes au niveau, tu vas la prendre dans la gueule, toi. Touche pas la bête. Hein. Ah, moi je veux bien. Hein. Oh, vous vous rendez compte, il y a plein de jeunes gens et de jeunes filles qui ne savent même pas de quoi on parle. Oh, tu fais terrible. C'est vrai qu'ils t'ont attendu. Non, mais laisse quand même tes mains sur la table, hein, parce que. Putain. Elle est malade. N'empêche que grâce à ça, vous voyez, Christine s'est recoiffée et d'un coup, regardez. Enfin, recoiffée. Elle est plus charmante. Elle a rassemblé ses cheveux. Elle a rassemblé ses voilà, cheveux. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, on voit vraiment plus que du noir maintenant. C'est pas possible. Fais pas le malin parce qu'elle est plus grosse que la tienne. Oh, les concours. Ah, je suis bien content que ce soit un tiers qui le dise. Non, écoutez, franchement, on n'est pas là pour faire des concours de bistouquettes. Hein. Désolé, alors de vraiment. Quoi, pas, de bistouquettes. Non, c'est pas des bistouquettes. Vous ça, parlez c'est pas comme un enfant. Pardon? Vous parlez comme un enfant. Bah oui, je parle comme un enfant. Je vais pas dire des grossièretés sur cette antenne. Je suis quand même chargé un peu de la tenue de cette émission. Eh bah, bravo, oui. Jusqu'à présent, vous avez réussi. Là, il y a une il y avait de la tenue jusqu'à présent. C'est de la haute tenue jusqu'à vous présent. Me qu'il n'est... Vous me direz qu'il n'est que 5h30, mais enfin bon. Il est même pas 5h encore, Jean-Pierre. Faites attention à ce que vous dites. Regardez la grande aiguille. Justement.